salut. J'espère que tu vas bien. Moi, j'ai super chaud. Là, je sais pas, il fait 30 degrés, j'en sais rien. Mais en tout cas, je suis heureux. Pourquoi je suis heureux? Parce que devant moi, là, vous le voyez pas, mais il y a une espèce de falaise, un truc de fou, hallucinant. Et en même temps, c'est une vidéo pour faire un test. Voilà. Parce que vous savez que j'ai pas de crossfire. Mais là, je me lance à du mid-range un peu. Et on va voir si ça passe. Bon, pour pas vous mentir, je vous avoue, j'ai fait une batterie pour voir si ça passait à peu près. Je suis pas allé jusqu'en haut, mais pas loin. Mais il faut faire super gaffe, et c'est vraiment, vraiment cool. C'est parti. Allez, je vous montre ça tout de suite. Et aujourd'hui, je vous le dis, on va s'éclater, parce que ce qu'il y a au programme, c'est ouf. Mais vraiment, hein, vraiment. Donc j'espère que la vidéo va être génialissime. Allez, go! Énorme. Et voilà, vous avez pas besoin de crossfire. Bon, quand même, il m'a fait plusieurs alertes. Ce qui est bizarre, c'est qu'il m'a fait des alertes de télémétrie juste là, parce que j'avais pas assez de signal là-haut et tout là-haut. Mais c'est passé. Wow, c'est beaucoup trop bien, beaucoup trop bien. Niveau vidéo, nickel. J'utilise un VTX, c'est le AKK Mini quelque chose. De toute façon, je vous mets l'image là. Et avec l'antenne Foxeer Lollipop, c'est génial. Niveau réception vidéo, je suis au top. Et franchement, ma Taranis, parce qu'en fait, j'utilise le module interne et avec un RXSR ou un XM+, je sais plus. Et ça passe. Par contre, faut vraiment faire gaffe et faut faire jouer un peu son expérience, parce qu'on a vite fait de passer derrière une falaise et de perdre le quad et le signal et tout. Donc là, j'ai fait vraiment super gaffe. J'ai pris aucun risque, mais vraiment aucun. C'est passé, je suis super content. Là, je le mets direct sur mon ordi. Et j'ai vu qu'il y avait des trucs cool là-bas, juste derrière. Je sais pas si on voit. Je vais essayer d'y aller pour faire une batterie, parce que la journée va être longue et j'ai besoin de batterie. Donc, c'est vrai que j'ai quand même envie de m'en refaire. Je sais pas, on va voir. Bon, allez, on continue cette vidéo. You can find me.
C'est trop beau! Trop bon! Waouh! Waouh! Faire du proxy en mid-range, c'est génial. L'adrénaline, non là ça change tout. Je vous raconte tout en fait. Hein. Première batterie, juste je regarde, hop, je regarde si le signal passe. Deuxième batterie, je me mets de la musique sur mon téléphone, pas avec les écouteurs. Et je veux aller là-bas, j'y vais, ok, nickel, pas de soucis. Mais je suis pas dans le flow. Troisième batterie, je refais pareil, sauf que je suis allé sur l'autre spot là-bas. Et là, cette batterie, je me suis dit, bon, je vais pas trop loin, ça sert à rien d'aller jusqu'à la croix. J'y suis allé deux fois déjà, et là quand même, il y a une grosse falaise. On va faire un peu de freestyle, parce que j'en ai besoin. Et je me suis dit, qui dit freestyle dit musique, qui dit musique dit flow, qui dit flow dit je m'éclate. Non, c'était extraordinaire. Et voilà pourquoi je fais du FPV, pour avoir des sensations comme ça et des images de fou comme ça. Moi je mets de suite ça sur le PC, je les garder précieusement parce que non, là c'est génial, c'est un super souvenir. Je kiffe. Allez, qu'est-ce qu'on fait là? Je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai d'autres batteries à faire dans fin de journée. Je crois que c'est à Valensole. Qu'est-ce qu'on va faire à Valensole? Je connais pas très bien le lieu et tout, la région, tu vois. Donc on va voir. En tout cas, il y a Drone My Life qui m'attend avec Julien Oliva. Et normalement, c'est tout, je crois. On va s'éclater. Allez, on continue. Je vais vous donner 2-3 petits conseils pour réaliser des vidéos dans des spots aussi périlleux. Premièrement, pilote. Entraîne-toi. Ne fais qu'un avec tes sticks. Aie confiance en toi. Deuxièmement, aie confiance en ton matériel. Ne te lance jamais à l'aveugle. Forge-toi de l'expérience sur des spots de plus en plus dangereux. Troisièmement, trouve ton flow. Cherche les paramètres qui vont te le faire atteindre. Tu verras, le stress va petit à petit laisser place au talent. Là, je sais pas si tu l'avais remarqué, mais on est à Valensole, la terre de la lavande. Craving the heat.
Me voilà sur un nouveau spot, le spot des lavandes. On est où? À Valensole, c'est ça? Ouais. Valensole, c'est magnifique, vraiment magnifique. En plus, on va choper le coucher de soleil. Je viens de faire... Faut pas le dire. De quoi? La dame, elle a dit qu'il fallait pas. Valensole, mais c'est le seul endroit, non? Où il y a des lavandes. Bon, ok, on n'a pas le droit de dire qu'on est à Valensole. Je me suis éclaté. C'est la première fois que je vole avec la GoPro 6. J'ai fait 2-3 vols avec. J'ai fait 2-3 crashs avec. Mais ça va, il n'y a pas grand chose. Et là, je viens de faire un chasing de fou. Je vous le mets là, de suite. Et après, je vais continuer à voler. Je vais essayer de faire du freestyle avec ma session 5. Parce que je vais essayer. Réal s'est dit go. Parce que si vous voyez des images hyper stabilisées, hyper smooth. Bah c'est pas mon pilotage qui est hyper smooth par rapport à d'habitude. C'est Ralph Sedigo. Non, si, il pilote super bien, il est très smooth. Bon, ben, je vous dis tout simplement ciao, je me suis régalé sur cette session. Première session à Sainte-Victoire, je l'ai défoncé à Sainte-Victoire. Et deuxième session là sur le plateau de la Valensole, c'est fou, c'est magnifique. Et non, c'est génial. Vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez volé un peu ou pas? Moi j'ai goûté au câble. Le câble, ouais. Je suis sérieux, on va pas avoir craché. Hein. Mais on a voulu nous dégager deux fois. Ils ont été sympas, ils nous ont laissé. Les gens qui ont les terrains là, c'est merci à eux, c'est vraiment super cool parce qu'on a pu voler, faire nos images, vous faire kiffer. Et aller voir leur chaîne YouTube, leur Instagram, je vous mets tout en description. Vraiment, c'est des pros, hein. Les mecs, c'est des artistes. Donc allez voir ça, allez checker. Et je vous dis tout simplement ciao, à la prochaine vidéo. Et j'ai envie de revenir sur des spots comme ça, dans les falaises, n'importe où, c'est génial par ici. Ah ben, ouais, c'est ouf. Les gorges du Verdon. Ouais, gorges du Verdon. Faut que tu les fasses. Ciao. Ciao, ciao.